Écoutez-moi, Minguer. Apparemment, l'affaire Gabriel Nandjib n'est pas toujours finie. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vite tôt le matin, tous les gens avec qui je devais partir, tous m'ont abandonné. Donc, ils avaient déjà l'information que si je prends la route, peu importe avec qui je monte dans la voiture, je vais faire l'accident, je vais mourir. Hey! Amamadou! Amma. Tous, ils sont restés ici à Yaoundé jusqu'à 15h, 16h. J'appelle Master Aivo. Il dit à Aivo que grand frère, il te jure, ce n'est pas pour couper des cabas, il te jure qu'il va me suicider. Hein? Le gars m'appelle et me dit que comment? Il dit que tout le monde qui devait partir avec moi m'a laissé. Il me dit que pourquoi? Il dit que je ne sais, moi, il ne connaissait pas encore la cause. Hein? C'est comme ça qu'il m'envoie. Il me dit qu'attends, je cherche la voiture. Il a cherché la voiture en Gaoussa. Le gars est venu ici là à 16h30. Heureusement qu'il y a Sa Majesté Junior Abega qui m'appelle. Je l'appelle, je dis que je suis seul. Il va aller au deuil. Les gars sont venus. Nous sommes partis à 3 dans la voiture. Je suis arrivé à Banganta à 20. Je pense 23h minuit comme ça là. Alors, on a souffert. Ha! Chigi! Tout Banganta connaissait que tout le monde disait que on savait qu'elle ne devait pas venir. On m'insultait jusqu'à sur les rues, partout. C'était à partout. Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est pour ça que quand tu as vu, je ne me suis pas trop ouais, fait voir. Après la veillée, quelques minutes, moi, je suis partie me coucher. 6h, je me suis levée pour m'apprêter. Je suis partie dès la cérémonie. Dès qu'on a dit là que enterrement, c'est intimité. Les gars qui sont partis avec moi ont démarré la voiture. Nous sommes directement rentrés sur Yaoundé. Godness! Nous m'en rentrant, mon frère, mon cœur n'était pas en place parce qu'il savait que où est pas là. Il sent que la vie et la mort, peut-être qu'il peut aller mourir en route. Où? C'est quand il est arrivé à Yaoundé. Tu as quand même risqué ta vie parce que tu as été beaucoup lynché. Les gens ont commencé à dire que arrête de faire. Tout le monde parlait de mon nom, Jacques. Tout le monde. Les gens faisaient les directs sur moi pour dire que, oh, moi, Minga, machin, tout est monté. Et moi, Minga va mourir. Oh, la petite fille est entrée dans des choses. Le pire, c'est que je me suis pris la tête avec Raoul Ndia. Maman, je vois Raoul faire un post. J'ai dit que, attendez alors, je vais vous montrer que, hey, j'ai ressorti un poste sur Raoul, c'est Bruno qui a séparé la baka. Il a retiré le poste. C'est Bruno que non, il faut calmer tes gens. Vous ne pouvez pas. Quand les gens parlaient, c'était pas public. Pardon, on parle avec un mec. Il y a un truc que je ne supporte pas. J'ai eu mal, mon frère, la période là, non. Et toujours, si elle pouvait me suicider, non, je me suicidais ici là. Il y avait seulement besoin que Cabrel sorte sa bouche comme ça, il m'appelle et me dit que non. Les gens ont lancé les lèvres, que tu laisses la mascarade là, que quel est ça que tu fais les vidéos, tu viens pleurer. J'avais mal. Mais après, normalement, j'ai compris après le délai que moi, je suis une lionne. Il dit que je ne me laisse pas faire. Et déjà que je ne suis pas sûre que c'est ce que Kabol aurait voulu, que je reste là à pleurer parce que les gens m'insultent, les gens disent qu'il va mourir. Je suis parti à Banganté, je suis rentré de Banganté en santé. Ça veut dire que je pourrais plus continuer. Mais les gens t'ont harcelé, mais j'ai dit, mais attends, pourquoi les gens portent autant d'énergie vis-à-vis de toi? Tu as quoi y voir avec tout ça? Maman, je sais. Maman, les gens m'ont fait sur le deuil de Cabrel. Hein. Il y a une fille là, on a coupé la vidéo de Solange, Béa là. Et peut-être que ce n'est pas ce que j'ai lavé l'enfant de truie pour rien comme ça. Là. Elle m'a jamais parlé, on voit la vraie. Elle manque le deuil qui est comme tout. Pourtant, elle est au deuil de laver celui là qui sort, qui vous critique. Le bègue là, vous ne le lavez pas, lui n'est pas au deuil. Qui ça? Le bègue là. C'est maman, mon ami Gato, vous avez choisi. Pardon. Pardon. Ça va arriver sur lui, pardon, oublie. Ouais, laisse, il faut prendre. C'est aussi. Quand on avait Mohamed Nga, il faut éviter de citer les noms des autres artistes parce qu'ils vont prendre ça mal. Venez, oh, venez. C'est facile, hein. C'est pas facile, Kevin. C'est pas facile. En fait, le truc, c'est que je veux d'abord vous répondre par rapport aux commentaires que vous mettez en bas. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An? Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.